forme-là me semble. C'est qu'effectivement, s'il vient me frapper au niveau de l'épaule, comme il vient de le faire là, si je viens finir en flougue pour après venir travailler, je suis bien. Par contre, s'il me frappe avec un Scheitelhau, à savoir, c'est bien un coup venant du haut, il me frappe avec un coup comme ça, au niveau du, de la pointe, vers le sommet du crâne, ben, si je viens bas, il me touche. D'autre part, si il vient appuyer son Oberhau, je dis que c'est un coup de paysan, on peut très bien imaginer que la personne vienne appuyer son coup. Donc pourquoi pas, hein. Donc, si jamais je viens parer assez bas, voilà, je la mange. Pourquoi? Parce que tout simplement, il travaille son fort sur mon faible. Donc, on a réfléchi à ça, et effectivement, on s'est dit que toujours garder la distance et de sortir en projetant la pointe vers l'adversaire. Donc, d'ailleurs, les glossateurs disent projeter la pointe. Mais ils disent aussi, Zornhau est un coup de paysan effectué avec force. Donc on peut imaginer que lorsque son coup arrive, je vais venir. Et ici, et là, je suis juste effectivement un peu appuyé pour faire mon estoc. Si je suis là, il va vraiment être tenté de faire quelque chose. Ici. Comme ça. Ici, c'est un peu trop tard. Donc, on est bien d'accord. Vas-y doucement. Donc, doucement. Son coup, il est en train de gagner. Il gagne, je laisse gagner. Quand il avance, je substitue mon corps avec l'épée. Je viens allonger, projeter la pointe vers son visage. Et je suis en position pour frapper. Tout ça avec un double pas qui me fait sortir de l'axe. Donc, plus rapidement. Donc on va travailler ça. Donc le gang porte un Oberhau. Ok. Je vais venir le contrer avec Zornhau. D'accord? Ici, pour une raison, éventuellement je peux me retrouver pas très bien placé. Je me retrouve dans l'instant, dans une laisse, et il reste dur sur sa garde. C'est-à-dire qu'il est solide. Il n'est pas en train d'appuyer, parce que s'il appuie, comme vous savez, de détacher et frapper. Voilà. Mais là, il est dur. Ce que je vais venir faire, un doublement, ça s'appelle Duplieren. Donc je vais lever mon épée, la tourner, et venir le choper à la tempe. Là. C'est pas plus rapide en Winden? Alors, Winden fait partie des sorties de Zornhau. Duplieren existe aussi. Et Winden, par exemple, s'il m'attaque, il va falloir quand même qu'il soit fort. Il appuie par là, pour qu'il sorte ici. Là, j'ai un Winden. Ah, je ne peux pas celui-là. Comment? C'est celui en bas. Ouais. Donc, je vais le dessus aussi, c'est pareil. Ouais. Donc, je vais le dessus, bon, quand je vais venir, je peux dégager et ensuite le réattaquer par deux. Donc, ça va donner ça. Ok. Ça fonctionne. Alors, l'intérêt, surtout, c'est que vous voyez que l'épée, les deux épées se rencontrent. Le pommeau doit partir sous le bras droit. Je dois lever, parce que si je ne lève pas, on me prend. Lever, venir choper, le décaler ici, et là, ici, le bloquer. Donc, c'est vraiment un mouvement dans l'indesse. Et ici, je viens frapper là. 50 cm de la tête, je crois. Alors, encore une fois, pendant tout son compte, si je suis pas à distance, je peux rester ici, travailler en pointe. Si je suis dans la frappe, je peux frapper. Ou si je suis trop près, c'est très bien, je peux l'entailler. C'est pas un problème. Ah, tu l'entailles en plus, si tu as un quillon qui est bien courbé, tu plantes dans la gorge. Donc, le mouvement. Le mouvement à droite, c'est bien là. Je viens, quand je suis en parade, il faut qu'il soit fort. S'il est mou, je ne pourrais pas le faire. Je tiens ici et là. À gauche, le mouvement est très joli mais très difficile. À gauche, je vais venir là, monter, tourner, frapper. Avec le pouce qui vient. C'est-à-dire qu'en fait, le principe c'est d'aller chercher l'os. Ça c'est Duplieren. Le principe c'est d'aller chercher l'os en fait. Voilà, ouais. Avec le tranchant intérieur. Ça c'est Duplieren. Donc le principe c'est d'aller chercher l'os. Ouais. Donc je suis à gauche, je viens là, ici. Je suis très fort, je suis très bien. Tu le fais en serche ou en escroc? Pardon? Tu le fais en serche ou en escroc? En serche. Ensuite, nous allons à droite. Donc après, plus on pratique, généralement ce coup-là, plus on s'enlève le bec, à gauche. Et après, ça passe tout seul. Donc on va s'entraîner à faire ça. Donc doublement. Les doublements ne concernent que les deux ouvertures hautes. Nylon, oui. Non, bah, nylon. Nylon. Les ouvertures basses seront travaillées avec Mutieren, les mutations, on va voir juste après. D'accord? On travaille ça, comme ça je vais vous aider. Donc il y a 4 ouvertures. Première ouverture, je vais taper. L'ouverture haute à droite. Deuxième ouverture, venant de la gauche. Taper l'ouverture haute à gauche. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que le gars va avoir une réaction par rapport à mon Zornhau. Donc, quand le coup arrive, donc moi je pars en Zornhau, vas-y, je sors. Par contre, il va lever son épée en hox. Alors hox, plutôt celui-là. Voilà. Pour en fait porter un estoc au visage. Donc c'est une bonne réaction de sa part, qui me met plutôt dans une situation inconfortable, parce que moi mon épée, elle regarde le bon Dieu, et elle, son épée, elle me regarde moi. Donc je suis vraiment plutôt pas bien. Donc on se reprend ici, donc je viens, je suis très bien, là, hop, voilà. Un grand classique en escrime médiévale. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite me protéger, lever, et viser. Oh, son ouverture basse. Donc là, c'est ce qu'on appelle Mutieren, mutation. Donc, absolument. Donc tu vas tranquille là pour cela, tu risques de faire mal là. Oui, non, non, je viens, je sors. Tac. Pardon, je me suis fait là. Et en fait, c'est un mouvement qui vient très rapidement. Et vous remarquerez que nos mouvements sont quasiment symétriques. C'est-à-dire que moi-même, je suis dans une forme quelque part de boxe. Ou presque un Schielhau, c'est-à-dire que ici, donc je reprends une fois. Là, ici. Donc il faut bien que ma garde protège mon avant-bras. Par contre, tu dégages quand même. Oui, je pars par là. Donc ici, on refait. Voilà. Et là, ici, je viens, je tiens. Alors, on a un manque de droite. On peut. C'est très difficile pour lui de s'en sortir une fois qu'il est pris. Mais si jamais il essayait, on peut continuer le mouvement, s'amuser un peu. C'est ce qu'on retrouve. Non, après. C'est ce qu'on retrouve sur le codex Wallerstein. Ici, je viens, je contrôle là. Et là, ici, il est. Quand il arrive à reculer, il peut. Donc, d'abord, ce que je vais vous demander de faire, c'est effectivement de prendre une arme, ne bouge pas, je viens tourner. Et frapper une ouverture basse. Et après, si vous voulez vous amuser, vous avez juste simplement à continuer le mouvement pour le mettre en vraiment mal à l'aise. Voilà. Normalement, ça marche aussi sur la simple position, sur le simple. Dès qu'on est ici en Winden, normalement, je dois pouvoir me placer là directement. Parce que quand on lit les glossateurs, ils disent effectivement, ils ne parlent pas spécialement que l'adversaire porte un estoc ou change, fait une variation. Ils disent simplement qu'après Zornhau, quand on est en opposition, essaye, s'il est mou, s'il est dur, on reste en haut, hein. S'il est dur, on reste en Duplieren. S'il est mou, frappe-le à l'ouverture basse. Voilà. S'il est mou. J'en ai encore besoin, je peux décoller ce bois. Ok, vous essayez de travailler ça?